Alors, c'est avec ce mode-là, vous pouvez pratiquer du sport extrême et admirer Minecraft d'une toute autre manière. Ce mode s'appelle parachute et vous pouvez le crafter à l'aide d'une table de crafting et disposer de trois blocs de laine comme pour crafter une pioche. Voilà. Et trois petits fils en forme de V comme pour crafter un arc, sauf que le V, la disposition des fils se situe de bas en haut. Voilà, dans le sens contraire. Et voici votre parachute. Pour l'utiliser, rien n'est plus simple. Vous devez être dans le vide et cliquer droit, comme pour utiliser. Alors, le clic droit, c'est celui-là, c'est Use Item. Voilà. Alors, vous pouvez sauter ou vous pouvez être dans le vide juste en marchant, enfin en courant et en tombant tout seul. Je vais vous montrer à l'aide de la caméra qui permet de me voir par derrière. Vous allez voir, on saute et on active le parachute. Alors vous pouvez aller vers le haut, de devant et de derrière. Ça marche comme pour un bateau. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez de derrière, le personnage et la caméra tournera automatiquement. Comme ceci. Alors le parachute existe en plusieurs couleurs. En noir, comme vous le voyez. Ou alors c'est une grille foncée. Mais je vais dire noir. Noir ou gris foncé, enfin, c'est, je sais pas comment, enfin noir, alors on va dire noir. Et il existe aussi en orange, en vert, en beaucoup de couleurs. Mais le vert j'aime beaucoup. Et le mode permettra, on va dire, si vous voulez l'intégrer sur votre serveur, ce qui pourrait être une très très bonne idée. Hein, ça donne un aspect naturel qui s'intègre parfaitement à Minecraft. C'est un mode très très simple. Et les possesseurs de Pipix pourront l'installer. Et sachez que Pipix installe le mode loader automatiquement. Et le mode parachute a besoin de mode loader. Voilà. Par contre, je ne sais pas si Pipix, durant l'installation de ce mode, supprime automatiquement le dossier MetaInf qui est nécessaire. Enfin, qui ne doit pas être dans le dossier Minecraft.gr pour être. Pour lorsque vous mettez des mods. Et sinon vous aurez le black screen comme la vidéo que j'ai faite pour lorsque je vous ai expliqué comment installer Optifine. Voilà, le dossier MetaInf doit être supprimé, ça c'est obligatoire. Voilà, ce mode s'appelle parachute, vu de devant ça marche comme ça, et ça c'est mignon, coucou. Voilà.